C'est à 12h15 que le Boeing de la compagnie Ethiopian Airlines a atterri à l'aéroport international d'Njili. À son bord, le coach Eugène Boulaïma, les joueurs Fabrice Ngoma Luamba, Steven Ebuela, Glody Lilepo Maccabi, tous des Al Hilal Omdurman du Soudan. À la tête de la délégation, Jean-Baptiste Kasongo Misenga, ambassadeur de la RDC en Égypte. Je vais aller présenter nos remerciements au chef de l'État, Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nos remerciements aussi au Premier ministre qui n'a pas hésité à mettre les moyens nécessaires à travers notre ministre des Affaires étrangères, Son Excellence Christophe Lutundula. Et cela n'a pas été facile, cela ne pouvait pas être possible, n'eût été l'assistance ou la collaboration de Son Excellence le ministre Caboulo, qui tous les jours était en contact avec nous et avec le joueur pour les rassurer qu'ils ne puissent pas être traumatisés. Tout n'a pas été facile pour faire sortir ses compatriotes du Soudan. Nous avons effectué un déplacement du Caire jusqu'à la frontière de l'Égypte. Nous sommes entrés juste au Soudan et nous avons localisé nos athlètes. On les a sortis du Soudan, on a traversé la frontière, ramené à l'Égypte et aujourd'hui s'ils sont parmi nous, parmi vous, parmi ses frères et sœurs, donc on ne peut qu'être satisfait. Du côté des joueurs, la situation était difficile à vivre, comme les témoignent leur émouvant récit. Tout cas, c'est peut-être un des massages, c'est Bandi Bongo, et s'il a mis, et s'il a quitté, ils ont payé une semaine, deux semaines, après on a Banamboka, le Soudanais, le Zongi Banda, tout le monde est comme sérieux, et puis tu es moins chaud, le dirigeant. Parce que remercier le président de la République, l'ambassadeur, en plus, et remercier aussi beaucoup le ministre du Sport. Il y a vraiment un mouvement pour les autres bandes sur l'année, vraiment mingi. Avant d'avoir contacté Bissot, parler des habitudes dans ma morale, donc à salir vraiment un fort macas. Fabrice Ngoma, ancien DV Club et Raja de Casablanca, a vécu une expérience difficile à raconter. C'est la première fois, moi, je suis dans la vie, aussi six matchs, guerre, en pleine capitale. C'est la première fois, je suis dans la vie, mais Dieu merci, grâce au gouvernement. Le coach Eugène Boulaïma a quant à lui salué l'implication du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, du Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé, du ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula et du ministre des Sports et Loisirs François-Claude Kaboulo-Moana Kaboulo afin qu'il puisse se sortir de cette situation délicate.